métier, c'est jouer, raconter une histoire à des spectateurs qui viennent voir un spectacle. Aujourd'hui, je vais répéter et demain matin, je vais aller au studio faire la bande-annonce d'un film dans lequel je double Jamie Foxx. En gros, on passe des auditions, il faut travailler le texte ou le thème général de la pièce. Ensuite, on se retrouve avec toute l'équipe pour les périodes de répétition où on fait vraiment la création du spectacle. Il faut croire en soi, il faut y aller, il faut avoir envie. Être passionné. Il faut être accroché pour tenir et pas se désespérer dès qu'on a une période de chômage. J'adore ça, interpréter des rôles, pouvoir lâcher mes névroses. Il faut être un peu barjot pour faire ce métier quand même. Il faut être très polyvalent, très ouvert au désir du metteur en scène. Là ça repart trop par en dessous ou un truc. Non, c'est trop explicatif. Ouais. Elle a murmuré quelque chose. Elle a murmuré haut comme le ciel est bleu. Je me suis senti fier et soulagé. Parce que jusque-là, son langage, tout ce qu'elle bredouillait, n'était qu'un torrent d'obscénité. Ah bah c'est beaucoup mieux ça. T'as joué le miracle dans Elle a murmuré. Oui, oui. Dans ce spectacle, je dois jouer de l'accordéon. Bon, alors il faut beaucoup que je travaille mes morceaux, mais c'est toujours des petits défis à relever comme ça, mais c'est ça qui est génial aussi. Quoi. Le mot d'ordre, c'est la confiance. On est un peu au service de la pièce, et après, il y a un échange, parce que c'est nous qui allons devoir chercher pour le reproduire chaque soir et le faire grandir chaque soir. C'est le meilleur métier du monde. En sortant de notre journée de travail, on est applaudi. Les gens payent pour venir nous voir. C'est quand même incroyable.